Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger son émetteur-récepteur. Surtout pour les voitures tout-terrain. Donc, normalement, pour les voitures tout-terrain, le moteur se trouve soit ici ou à cette place. Et on a en fait une boîte ici, hermétique, avec des caoutchoucs, où on met les piles qui se trouvent ici et moi. Et l'émetteur-récepteur, donc. Donc, si vous n'avez pas l'émetteur récepteur, c'est la même chose pour ma voiture électrique. Voilà. C'est la même chose. Si vous n'avez pas d'émetteur récepteur, vous prenez du cellophane, le papier qu'on utilise en cuisine. Vous entourez votre émetteur de télécommande. Vous l'entourez bien, vous n'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas. Alors, voilà. Et vous scotchez autour, par-dessus, en dessous. Et donc pour l'accrocher, c'est simple. Moi, j'ai pris donc les scratchs de chaussures. C'est très bien, ça colle. J'ai du mal même pour l'enlever. Et voilà, comment est-ce que ça se présente. Donc bien sûr, j'ai fait gaffe à ça pour qu'il soit bien en dessous. Vous faites attention, vous l'entourez. Et là, je peux vous dire qu'il tiendra. L'antenne, si vous en avez une longue, parce que moi normalement c'est une télécommande d'avion, mais pour mon avion qui n'est pas encore fini, donc je pouvais pas encore acheter une télécommande pour cette voiture spéciale, comme celle-ci. Mais donc je m'en sers de celle-ci. Donc parfaite, hein. Moi j'ai accroché l'émetteur, sinon vous avez une antenne qui est censée être ici. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.